Dieu a créé le sexe pour une raison. Un homme, une femme, un mariage. Et le sexe avec soi-même? C'est ce que la Bible veut dire par répandre ta semence. Si on la ramasse, ça compte? Très bien, très bien. Est-ce qu'ils vous ont fait voir la vidéo sur l'avortement partiel? Non, non. Gâche pas mon plaisir. Oh, 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 plus de 6 cm au-dessus du genou. Bureau du doyen. Tout le monde n'arrête pas de parler de toi et de Wade. Ils disent que tu lui as mangé l'oignon. Quoi? Quel gros pervers. Quoi? Non! Vous avez du courrier. Oh, oh, oh. Alice, dîner! Bénissez-moi, mon père, car j'ai péché. J'ai vu un couple faire l'amour. Cette retraite va renforcer votre relation avec Jésus. Alice, c'est ça? Bienvenue. Oh mon Dieu, c'est Chris, c'est la grande star de notre équipe de football. Vous faites partie du grand projet de Dieu. Super. Et n'oubliez pas, Dieu est là et vous regarde toujours. Tout le monde dit Jésus-Christ. Jésus-Christ. Nous allons partager les moments où on a ressenti Jésus. Ma copine m'a plaqué, ça m'a vraiment fait mal. Ma grand-mère est morte. Eh bien... Oh. Oh. Dieu ne te laissera pas être tenté. On a fait des smorts. On imaginait que c'était des péchés capitaux avant de les faire griller. Je t'ai gardé la luxure. Tout le monde pense que je suis une garce. Tu sais quoi? Tu veux attirer l'attention. Hey, qu'est-ce que tu fais? Tu sais bien que je chauffe comme un micro-ondes. On a tous des secrets qu'on cache. Je croyais que j'irais en enfer pour avoir fait du cybersexe. Et si on essayait de se traiter mutuellement avec respect? C'est ça ce que Jésus voulait, pas vrai? Non. Enfin, Ron! Calme-toi, Gail! Maintenant, je suis mouillée! T'es pas si mouillée!